puissent les dieux miséricordieux, s'ils existent, veiller sur moi durant ces longues heures où ni la volonté, ni aucune des drogues que l'homme a si ingénieusement mises au point ne peuvent m'empêcher de sombrer dans le gouffre du sommeil. La mort est charitable, car c'est pour l'éternité qu'elle nous garde. Mais pour celui qui s'en revient des plus profonds plis de la nuit, hagard et plein d'un savoir nouveau, la paix s'est envolée à tout jamais. Comme j'ai été fou de plonger, en proie à une ivresse incontrôlable, dans ces mystérieuses régions où nul n'est censé pénétrer. Et comme il a été fou lui aussi, à moins qu'il n'ait été un dieu, mon seul ami, qui m'entraîna dans ces contrées, s'y engouffra plus avant que moi, et qui, pour finir, succomba à une horreur qui pourrait très bientôt s'abattre sur moi. Nous nous rencontrâmes, il m'en souvient, dans une gare de chemin de fer, où il était le point de mire d'une foule de rustres curieux. Il avait sombré dans l'inconscience après une sorte de convulsion qui avait imprimé une étrange rigidité à son frêle corps vêtu de noir. Je pense qu'il approchait alors de la quarantaine. Ses traits hâves étaient creusés de profondes rides, mais en dépit de ses joues creuses, son visage formait un bel ovale. En fait, il était même beau, avec les touches d'argent qui effleuraient son épaisse chevelure ondulée et sa barbichette de rue qui avait dû, en des temps éloignés, être du plus sombre des noirs corbeaux. Son front, si haut qu'on aurait dit celui d'un dieu, avait la blancheur des marbres du Pentélique. Dans mon enthousiasme de sculpteur, je me dis aussitôt que cet homme était une statue de faune arrachée à l'antique Hellade, déterrée des ruines d'un temple et ramenée je ne sais comment à la vie dans notre époque oppressante pour y subir le froid et le joug dévastateur des ans. Et lorsqu'il ouvrit les yeux, je ne vis que deux immenses lacs noirs où scintillait sauvagement je ne sais quel éclat lumineux. Je sus alors qu'il serait mon seul ami, l'unique ami de quelqu'un qui, jusqu'à présent, n'en avait jamais eu. Car je voyais bien que ses yeux avaient dû contempler toute la grandeur et la terreur des royaumes qui s'étendent par-delà ce que nous avons coutume d'appeler la conscience et la réalité. Des royaumes que j'avais chéris en imagination, mais vainement cherchés. C'est pourquoi, tout en chassant la foule, je lui dis qu'il devait venir chez moi, pour m'instruire et me guider dans ces mystères impénétrables, ce à quoi il acquiesça, sans dire un mot. Plus tard, je découvris que sa voix était une véritable musique, la musique des viols et des sphères de cristal. Souvent, la nuit, nous devisions tous les deux. Puis, le jour, je sculptais des bustes de lui et gravais dans l'ivoire des miniatures de son visage pour en immortaliser les diverses expressions. Il est impossible de parler de nos recherches, car elles n'entretenaient qu'un étroit rapport avec le monde tel que les gens le conçoivent. Elles portaient sur cet univers, plus vaste et plus fascinant que le nôtre, où de vagues entités et d'obscures consciences se meuvent par-delà la matière, l'espace et le temps, à un univers dont nous ne soupçonnons l'existence qu'à travers certaines formes du sommeil, dans ces rêves par-delà les rêves, si rares que le commun des mortels ne les fait jamais, et que les hommes dotés d'une grande imagination ne les font qu'une ou deux fois dans leur vie. Le cosmos, tel que nous l'appréhendons au quotidien, est issu de cet univers, telle une bulle de savon soufflée par un bouffon. Mais il n'est pas plus en contact avec lui que cette bulle de savon n'est en contact avec sa source démoniaque lorsque le bouffon, par caprice, l'aspire à nouveau. C'est à peine si les hommes les plus érudits entrevoient l'existence de cet univers. En fait, la plupart ne s'y intéressent même pas. Des sages ont interprété les rêves, et les dieux ont ri. Un homme aux yeux d'oriental a déclaré que le temps et l'espace sont relatifs, et les hommes ont ri.
Mais même cet homme, aux yeux d'oriental, n'a fait qu'entrevoir cet autre univers. J'ai eu envie, j'ai essayé, de faire mieux qu'entrevoir. Mon ami, lui aussi, a essayé, et en partie réussi. Puis, dans la chambre de mon atelier, au sommet de la tour d'un manoir du vénérable comté du Kent, nous avons essayé ensemble, et à l'aide de drogues exotiques, nous nous sommes mis en quête de rêves terribles et interdits. La pire de toutes les souffrances consécutives à ces journées était mon incapacité à exprimer ce que j'avais vu, car ce que j'ai appris et vu au cours de ces heures d'exploration impie ne pourra jamais être raconté, faute d'un langage permettant de rendre compte ou de suggérer ces divers voyages. Je précise cela parce que, de la première à la dernière, nos découvertes furent exclusivement de l'ordre du ressenti. Un ressenti qui n'avait aucun rapport avec ce que le système nerveux ordinaire peut transmettre. Il s'agissait certes de sensations, mais riches d'éléments spatio-temporels incroyables, de choses qui ne reposaient sur rien de distinct ou de précis. Pour rendre le caractère général de nos expériences, le langage humain peut au mieux les qualifier de plongeons ou de vol plané, car à chacun des épisodes de révélation, une partie de notre esprit s'échappait sans entrave loin de tout ce qui constitue le réel, le présent, et volait précipitamment au sein d'épouvantables abîmes, obscurs et terrifiants, déchirant parfois quelques obstacles, spécifiques et bien particuliers, qu'on ne peut décrire que comme de singulières nuées de vapeurs visqueuses. Durant ces sombres vols désincarnés, je me trouvais parfois seul, parfois avec mon ami. Quand nous étions tous les deux, il me devançait toujours de très loin. Bien qu'étant l'un et l'autre dépourvus de forme, je réussissais à percevoir sa présence grâce à une sorte d'image rémanente. Son visage continuait de m'apparaître, doré par une étrange lumière, d'une beauté si singulière qu'elle en était effrayante, avec ses joues anormalement jeunes, son regard de braise, son front olympien, sa barbe naissante et ses cheveux noirs. Nous ne prenions pas garde au passage du temps, car pour nous, celui-ci n'était plus qu'une pure illusion. Je sais seulement qu'il a dû se produire quelque chose de très singulier, parce qu'au bout d'un certain temps, nous en vîmes à nous demander pourquoi nous ne vieillissions pas. Nous tenions des propos impies et toujours affreusement présomptueux. Aucun dieu, aucun démon n'aurait pu rêver et faire les découvertes et les conquêtes que nous envisagions à voix basse. Je tremble lorsque j'en parle, et je n'ose être plus explicite. Je me contenterai simplement de dire que, un jour, mon ami coucha sur le papier le vœu qu'il n'osait prononcer de vive voix, ce qui me fit brûler la feuille et regarder avec terreur derrière la fenêtre la nuit étoilée. Tout ce que je puis dire, et ce sera tout, c'est que son projet consistait, entre autres, à soumettre l'intégralité de l'univers visible. La terre et les étoiles ne se déplaceraient plus que sur son ordre, et il régnerait sur les destinées de toutes les créatures vivantes. Je déclare, je jure, que je ne partageais absolument pas ses aspirations extrêmes. Quoi que mon ami ait pu dire ou écrire, suggérant le contraire, est forcément faux, car je ne me suis jamais senti la force d'affronter les sphères innommables qui seules auraient assuré le succès. Une certaine nuit,
des vents surgis des espaces inconnus nous emmenèrent, impuissants, dans leur tourbillon vers le vide infini qui s'étend par-delà toute pensée, toute entité. Nous fûmes alors la proie de sensations affolantes et indescriptibles, des sensations d'éternité qui, sur le moment, nous firent nous convulser sous l'effet d'une joie intense, même si ma mémoire les a maintenant en grande partie oubliées et si je suis, en grande partie, incapable de les expliquer à autrui. Nous progressâmes rapidement, à grands coups de griffes, à travers une multitude d'obstacles visqueux, jusqu'au moment où je me sentis transporté dans des royaumes situés par-delà tous ceux que nous connaissions jusqu'alors. Nous plongeâmes dans cet impressionnant océan des terres vierges, mon ami nageant très loin devant moi. Sur son visage flottant, lumineux, anormalement juvénile, je parvenais à distinguer une sinistre exultation. Soudain, ce visage s'obscurcit, puis s'effaça rapidement. Peu après, je m'écrasais contre un obstacle infranchissable. Il était semblable aux autres, et cependant extraordinairement dense. Une masse poisseuse et gluante, si tant est que de tels termes puissent s'appliquer à décrire semblable qualité dans un royaume immatériel. J'avais été, je le sentis, arrêté par une barrière que mon guide et ami avait, lui, réussi à franchir. Je me démenais pour le rejoindre lorsque mon rêve opiacé s'interrompit. Je rouvris alors les yeux dans mon atelier et aperçus dans le coin face à moi la forme pâle et toujours inconsciente de mon camarade rêveur. Et lorsque la lune baigna de ses reflets mordorés et ses traits marmoréens, je lui trouvai un air follement hagard, empreint d'une beauté sauvage. Un peu plus tard, la forme dans le coin s'étira. Puisse le ciel miséricordieux me garder de jamais voir ou entendre à nouveau une chose pareille à celle qui se dressait devant moi. Je ne puis vous décrire ces hurlements, ou quels épouvantables enfers je vis briller fugitivement dans ces yeux noirs fous d'effroi. Je puis seulement dire que je m'évanouis. Je demeurai ainsi immobile, jusqu'à ce que, ayant récupéré, mon ami vint me secouer frénétiquement, comme si je pouvais éloigner de lui pareilles horreurs et désolations. Ce fut la fin de notre quête dans les cavernes du rêve. Effrayé, traumatisé, prodigieusement impressionné, mon ami, qui était allé de l'autre côté de la barrière, m'avertit qu'il ne fallait plus nous aventurer dans ses royaumes. Qu'avait-il vu? Il n'osa me le dire. Mais il me donna ce conseil avisé. Nous devions désormais dormir aussi peu que possible, quitte à nous droguer pour rester éveillés. Je découvris bien vite qu'il avait raison, parce qu'à chaque fois que la conscience m'abandonnait, une terreur informulable m'envahissait. Au sortir de chaque bref et inévitable somme, je paraissais avoir vieilli. Mais mon ami, lui, vieillissait à une vitesse presque choquante. Il est horrible de voir, quasiment à vue d'œil, des rides se creuser, des cheveux devenir blancs. Notre mode de vie venait de changer du tout au tout. Alors qu'il avait, pour autant que je le sache, toujours vécu en reclus, mon ami ne m'avait jamais dit ni son vrai nom ni ses véritables origines, il se mit désormais à abhorrer la solitude. La nuit, il refusait de rester seul, mais la compagnie d'une poignée de convives ne suffisait pas à le calmer. L'unique chose qui le soulagea, c'était de festoyer bruyamment avec autrui. Si bien que nous fréquentions pratiquement tous les groupes de jeunes et joyeux de rille. Dans la plupart des cas, notre apparence et notre âge nous valaient bien des quolibets, ce dont je souffrais vivement. Mais pour mon ami, tout valait mieux que de rester seul. Il avait particulièrement peur de se retrouver au dehors quand les étoiles brillaient. Lorsque les circonstances l'amenaient à s'y trouver, il jetait de fréquents et furtifs coups d'œil vers le ciel, comme traqué par quelque monstruosité qui s'y serait tapie. Il me sembla qu'il ne regardait pas toujours dans la même direction.
Apparemment, la menace changeait d'endroit en fonction des saisons. Au printemps, mon ami regardait vers le bas du ciel, au nord-ouest. L'été, c'était presque à la verticale de nos têtes. L'automne, au nord-ouest. L'hiver, à l'est, principalement durant les petites heures du matin. Il paraissait moins redouter les nuits du cœur de l'hiver. Il me fallut 2 ans pour parvenir à relier cette peur avec quelque chose, car alors je compris qu'il regardait en un point précis de la voûte céleste, un point dont la position, en fonction des saisons, correspondait à celle de son regard, un point qui coïncidait à peu près avec la constellation Corona Borealis, la couronne boréale. Nous vivions désormais dans un atelier à Londres et nous ne nous quittions plus. Mais jamais nous n'évoquions les jours où nous avions cherché à sonder les mystères du monde irréel. Les drogues, les fêtes, une trop grande nervosité nous avaient affaiblis et prématurément vieillis. Les cheveux et la barbe clairsemée de mon ami étaient devenus blancs comme neige. Nous avions réussi à nous passer de sommeil d'une manière étonnante. En effet, il était rare que nous succombions plus d'une heure ou deux d'affilée à l'appel de ce royaume d'ombre, désormais si menaçant, si effrayant. Puis vint un mois de janvier, marqué par la pluie et le brouillard, et le manque d'argent. Nous avions de plus en plus de mal à nous procurer nos drogues. Ayant déjà vendu toutes mes statuettes et mes miniatures d'ivoire, il ne me restait plus de quoi m'acheter le moindre matériel. Et quand bien même l'aurais-je eu, je n'avais plus l'énergie de travailler. Nous souffrions atrocement, et une certaine nuit, mon ami sombra dans un profond sommeil dont je ne parvins pas à l'extirper. Je me souviens à présent de la scène. La mansarde désolée, plongée dans les ténèbres. La soupente battue par la pluie. Le tic-tac de notre unique pendule, le curieux tic-tac de nos montres sur la table de chevet, le craquement d'un volet battant quelque part dans la maison, la lointaine rumeur de la ville, assourdie par le brouillard et l'espace. Mais le pire, c'était la profonde, régulière et sinistre respiration de mon ami couché sur son lit. Une respiration qui paraissait rythmée par les vagues de peur et d'agonie surnaturelle qui frappaient son esprit tandis qu'il s'aventurait dans d'inconcevables sphères interdites, hideusement éloignées. Comme je veillais mon ami, je me sentis gagné par une nervosité croissante. Puis une furieuse succession d'impressions et d'associations triviales assaillirent mon esprit chancelant. En entendant une horloge sonner quelque part, pas la nôtre, car elle était dépourvue de sonnerie, mon imagination morbide prit son essor, comme pour passer le temps. Pendule, temps, espace, infini. Puis elle revint au temps présent, dans l'atelier. Je me rendis alors compte que, par-dessus les toits, le brouillard, la pluie et la stratosphère, la couronne boréale se levait au nord-est. La constellation que mon ami semblait redouter, et dont le torque d'étoiles scintillantes brillait déjà, sans que personne ne le voie, par-delà les abîmes des terres insondables. Soudain, mon ouïe à la sensibilité si fiévreuse discerna, venant de très loin et distincte des autres, un nouvel accord dans la douce mélodie que composaient les sons magnifiés par les drogues, une lamentation sourde, lancinante, particulièrement affreuse, qui provenait du nord-est.
un mélange de bourdonnement, de vocifération, de ricanement et d'appel. Mais ce ne fut pas cette plainte lointaine qui m'ôta la raison et frappa mon âme d'un tel sceau de terreur que jamais il ne pourra m'être retiré. Ce ne sont pas ces gémissements qui suscitèrent les hurlements et provoquèrent les convulsions qui poussèrent les autres locataires et la police à enfoncer la porte. Non, ce ne fut pas ce que j'entendis, mais ce que je vis. Car dans cette sombre chambre fermée à clé, aux volets clos et aux rideaux tirés, une colonne d'horrible lumière mordorée se dressa dans les ombres du coin nord-est. La lumière qui en émanait n'était pas de celle qui disperse les ténèbres. Elle ne se répandait que sur la tête du dormeur au sommeil agité, sur le visage duquel elle faisait atrocement ressurgir un autre visage, celui dont j'avais vu l'image rémanente, lumineuse et étrangement juvénile, dans mes rêves d'espaces abyssaux et de temps sans contrainte, lorsque mon ami avait traversé la barrière pour s'enfoncer au plus profond de ces antres cauchemardesques, secrets et interdits. Comme je le regardais, je vis la tête de mon ami se soulever. Ses yeux limpides et noirs étaient révulsés de terreur, et ses lèvres, pâles et amincies, s'entr'ouvrirent sur un cri trop effrayant pour être articulé. C'est là que je vis sur ce visage spectral et creusé par la fatigue, tandis que, lumineux et rajeuni, il brillait dans l'obscurité comme séparé de son corps, plus d'affolantes terreurs, de grouillements de terreurs, de pures terreurs, que jamais la terre et le ciel ne m'avaient permis d'en contempler. Tandis que le bruit s'amplifiait en s'approchant, encore et encore, pas un mot ne fut prononcé. Mais alors que je suivais le regard épouvanté de l'image rémanente tournée vers la source de la maudite lumière, qui se trouvait également être la source des lamentations, j'aperçus moi aussi, le temps d'un éclair, ce qu'il voyait. C'est alors que je m'effondrai, les oreilles tintinabulantes, en proie à cette sorte de crise épileptique vociférante qui devait rameuter les voisins et la police. J'aurais beau faire, jamais je ne pourrai dire ce que j'ai vraiment vu. Et le visage immobile ne le dira pas non plus. Car bien qu'il en ait certainement vu plus que moi, il s'est tu pour toujours. Mais jamais je ne baisserai la garde contre l'insatiable et moqueur Hypnos, seigneur du sommeil, contre le ciel nocturne et contre les ambitions démentielles du savoir et de la philosophie. Je ne sais au juste ce qui s'est passé, car tandis que mon propre esprit était désarçonné par l'étrange et horrible phénomène, l'esprit de certains autres se nimbait d'une sorte d'oubli qui confinait à la folie. Ils m'ont dit, j'ignore pour quelle raison, que je n'ai jamais eu d'amis, sinon l'art, la philosophie et la débauche, qui seuls emplirent ma vie tragique. Cette nuit-là, les voisins et la police s'efforcèrent de m'apaiser, tandis que le docteur m'administrait je ne sais quel sédatif. Personne ne semblait se rendre compte de l'épouvantable cauchemar qui venait d'avoir lieu. Mon ami, terrassé par le choc, ne leur inspira aucune pitié. Mais ce qu'ils découvrirent sur le lit, dans l'atelier, me valut de leur part de telles louanges que j'en tombai malade, et maintenant une célébrité que je méprise parce qu'elle me désespère. Alors je reste assis là, pendant de longues heures. J'ai perdu mes cheveux, ma barbe est devenue grise, je me suis tout ratatiné et comme ankylosé. Les drogues m'ont rendu fou, elles m'ont brisé. Mais toujours j'adore l'objet qu'ils ont trouvé, et je prie pour lui. Car ils nient que j'ai vendu la dernière de mes statues, et montrent avec ébahissement la chose que la colonne de lumière a laissée, froide, pétrifiée et sans voix. C'est tout ce qui reste de mon ami. L'ami qui m'a conduit jusqu'à la folie,
jusqu'au naufrage. Une tête qui ne pouvait appartenir qu'à un dieu, d'un marbre tel que seul l'antique Hélade a pu en produire. Jeune d'une jeunesse intemporelle, avec un magnifique visage barbu, des lèvres incurvées et souriantes, un front olympien, et une épaisse chevelure, bouclée et ondoyante, couronnée de coquelicots. Ils disent que cet envoûtant visage, celui de l'image rémanente, a été sculpté d'après le mien, quand j'avais 25 ans. Mais sur le piédestal de marbre est gravé un seul nom dans l'alphabet datique. Hypnose.